Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Et salut à tous, c'est Tintin, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma très longue absence. Oui. Alors du coup, parce que j'ai pas été très disponible, ni pendant... Oh, bah, c'est ça, ni pendant les vacances, ni pendant... Pardon. Ni pendant le... Ah, la période scolaire, parce que j'ai eu des choses à préparer, tout ça, voilà, enfin voilà, bref. Et donc voilà, je vais vous donner tous les détails, mais j'ai essayé de poster des vidéos Lego, j'espère que vous les avez vues et que vous avez aimé. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo non pas sur Minecraft, non pas sur Lego, mais sur un jeu vidéo qui s'appelle Star Trek Online, développé par Cryptic Studio. Et donc ce jeu, donc qu'est-ce que c'est? Ben c'est un jeu qui marche d'où le nom online sur en ligne, enfin pas en ligne, puis on télécharge le logiciel et après on joue via le multijoueur. Pardon, excusez-moi. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc donc ce jeu, ben, c'est ok, c'est très bon, évidemment, voilà. Je vais pas vous expliquer, vous allez voir. Et donc on va créer un nouveau personnage. Oui, j'ai déjà deux personnages là. Vous voyez ici. Hein. On va créer un nouveau personnage. Voilà. Donc ça se situe. Alors on a choix entre 23e et 25e siècle. Au niveau des vaisseaux et tout ça, des équipements et tout ça. Ça charge. Et donc moi je pense que je vais choisir 25e siècle. Et donc on se voit à la troisième personne, c'est-à-dire qu'on se voit de derrière. Ah là voilà. Voilà, on y est. Donc ça c'est pour le 23e siècle. Voilà. Donc le jeu est en 3D. Alors, donc ça c'est le 23e siècle. On peut choisir entre Romulien, Klingon et Starfleet. Bah, on va choisir Starfleet. Ça charge encore un petit peu. Super. Désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas repris les vidéos. Waouh! Avec un beau vaisseau de classe Miranda. Un petit peu... changé. Donc on peut créer son personnage. Donc on peut choisir l'espèce. Nous avons plein d'espèces. Le Klingon peut passer payant. À savoir qu'il y a de l'argent dans le jeu et de l'argent en vrai. Oh, Vulcain! Non, je vais choisir humain. Humain. Alors, on a choisi la carrière, donc ingénierie. Science, c'est ceux qui ont bleu, ça c'est jaune. Ça change, avant c'était rouge. Et tactique, c'est rouge, ceux qui commandent. Donc, on va choisir science. Parce que moi j'adore les sciences, c'est une science. Donc, en plus, là, ce week-end c'est le week-end de. Recherche et développement, voilà. Donc on peut choisir l'apparence. Donc du coup je suis officier scientifique de Starfleet et je suis un mâle humain. Attends un petit peu que ça charge parce que ça supporte assez mal Camtasia et ça. Donc désolé. Hein. Moi j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ah voilà. Mon dieu, j'ai eu peur. J'ai eu une vision d'horreur. Ah, donc on peut choisir son physique. Voilà. Parmi différents physiques proposés. Oh, c'est coupe de cheveux, on est chaud, allez. Non, je plaisante. Quand même pas. Moi, je veux quelque chose de sérieux. Non.
Ouais, je trouve que c'est... Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Pas ça. Oula. Je ne bouge plus, c'est qu'il y a un bug. Non, c'est bon. J'ai choisi la bonne coiffure. J'ai chaud. Donc voilà, visage. Les yeux ont un bleu un petit peu différent. Je le fais un petit peu à mon image. Voilà, cette couleur-là de bleu. Les cheveux, alors moi comme je suis blond, je vais prendre une couleur blonde. Ça vient charger. Désolé, hein, je suis vraiment désolé. Alors cette fille est haut. Alors je pense qu'elle va durer au moins un quart d'heure, 20 minutes. Alors on va essayer. Bon, pardon, on va se concentrer déjà sur la, ce qu'on doit faire maintenant. Alors. Oui. Alors moi je veux un blanc comme une couleur D3. D3. D'accord. Parce qu'après il faut faire les sourcils de la même couleur évidemment. Donc D3. Fort bien. Les sourcils c'est après. Alors ça on peut choisir la future génération de films. Il n'y a pas de Et donc on peut choisir entre différents uniformes. Donc ça c'est l'uniforme qu'il y a dans les trois derniers films. Non, pas trois derniers, pardon, trois avant ceux de Kelvin. Odyssey. Bon, j'adore cela, donc on va prendre ça, on n'a pas trop le choix. Appliquer au personnage, parce que pour l'instant il y a celui-là. On va l'appliquer. Voyons voir ce que ça donne. Ah oui, alors j'espère que je... Non, pas sévère, non. Je suis pas sévère, non. Sérieux. Voilà, parfait. Regarde un peu partout. Fort bien. Là, t'as, j'en ai rien à faire. Alors ça, c'est les options avancées. Donc la tête. Humanoïde. Moi, je veux juste... standard. Ah voilà. Sourcil. D3. Pratique ça. Voilà, c'est bon. Je suis parfait. Non, je plaisante. Ah oui, d'accord, on peut changer la taille de la tête. Ah ouais. D'accord. Ouh là là, on va pas s'occuper de ça, hein, parce que sinon la vidéo va être un petit peu trop longue. Donc on va s'occuper plutôt du corps. Ah ouais, mais c'est aussi ce genre de réglage. Je sais pas, l'uniforme. On a déjà choisi. Ah oui, d'accord. Pardon. On peut choisir, d'accord. Ah oui, le badge. Ah oui, d'accord, j'ai pas de badge. Je fais pas partie de Starfleet. Un signe de commande, inspiration, suggestion. J'ai une idée, on va prendre un signe de commande parce que je le trouve trop stylé. Allez, boum! Alors, par contre, on va pas passer 10 minutes sur le choix. Alors, les mains. Les mains. Ici où je mets aux mains. Ah oui, d'accord, c'est pour des. D'accord. Uniforme, pantalon, blanc, on va mettre ça. Ceinture. J'aime bien les ceintures. Voilà, Odyssée, allez. Faut un petit mélange. Ça met du temps à charger, punaise. Alors, inférieur, pas détendu, TNG, pied, peu de cuir, on s'en fiche, allez, c'est bon. On va dire que c'est bon. Charger. On va sauvegarder la tenue, tout d'abord. Tenue enregistrée. Ah! Ah, j'ai eu peur. J'ai eu une barbe. Ah, d'accord. Alors là, on s'occupe de qui est... Ah, je suis capitaine, d'accord. Entraînons, allez. Mon nom. Je veux dire, on va quand même pas mettre un tintin. Va quand même pas mettre tintin. Attends, attendez. Allez, à toi. D'accord, ok. Non, non, non. Puis on va pas mettre. On va pas mettre.
Ah, zut, bah alors, mais Tintin, tant pis. Voilà. Voilà, Tintin, allez. On va pas passer trop de temps, je sais, c'est pas très captivant pour l'instant. Ça, alors, ça, par contre, non, je veux pas ça. C'est les autres noms. Alors, nom du vaisseau. On peut choisir aléatoire. Non, je veux choisir. Choisis les scouts. Pourquoi les scouts? Alors, on va mettre de biographie, on va pas des blasphèmes. Alors pourquoi les scouts? Oula, ça se charge. Alors pourquoi les scouts? Eh bien tout simplement parce que en ce moment je suis en train de faire une. Enfin, non, pardon, excusez-moi. J'ai terminé une map sur Minecraft où j'ai fait en fait un vaisseau spatial, que j'ai appelé le scout STC 1991. Ok, ça commence. Alors, on va parler de ça maintenant. Alors, d'après les archives Starfield, vous avez déjà terminé ce scénario de formation avec un autre officier. Ah, mince! Voulez-vous vous rendre immédiatement à la cabine de Starfield? Remarque, c'est là que vous. Oui, j'aimerais passer le dictest. Voilà. On va refaire pour vous. Ok, donc on a une mini-map. On va comprendre ce qui se passe. Ah, oh, c'est leur animal qui parle. Par contre, je parle pas très bien anglais, donc je peux pas vous dire. For many years, I lived among them and waged the campaign of peace. Ah oui, c'est quand Romulus a été détruite. C'est ça, c'est cette scène-là. D'accord, c'est pour ça. Parce que si vous avez vu le viande, en fait, c'est pour... Voilà. Oui. D'accord. C'est pour ça, j'imagine. Je sais pas, j'en sais rien. Time does not stop for one man, and neither does history. The chaos in Romulan space gave the Klingon Empire an opportunity to expand its territory. Jim Pak, the Chancellor of the High Council, traded diplomacy for the tip of a blade. Only in battle, Jim Pak says, is a Klingon only Klingon. The Federation did its utmost to preserve its alliance with the Klingons. Ah oui, d'accord, mince. Ah mince. Ils sont en guerre, d'accord. Ok, les Klingons ont quitté la Fédération des Planètes Unies. Ah ouais, d'accord. Romulans want revenge for their lost world. The Dominion is rebuilding its forces. C'est Dominion. Le Dominion. Oh non, pas les Borg. Je croyais qu'on les avait exterminés sur la carte. Oui, on a compris que la résistance était utile. Ah, c'est... Non, c'est pas l'Inter, par exemple. Putain, mais je croyais qu'on les avait battus. Oh! C'est violent! La violence! Je croyais qu'on les avait battus! Ah, bah tant pis, hein. On va devoir les combattre, hein. Encore une fois. Alors, ça va charger, hein. Moi, je crois qu'en fait, ça va durer 25 minutes. La petite musique. Me voilà! Bienvenue dans Star Trek Online. Welcome to Star Trek Online. Aujourd'hui, c'est le jour de graduation. Ok. D'accord. Ok, il faut que je rencontre des cadets. Parce que pour l'instant, je ne suis que cadet. Ok. D'accord. Alors, comment j'avance? Ok, c'est les flèches. Ah ouais, d'accord, ça se voit. D'accord, alors le jeu est à peu près traduit en français. On va voir la madame qui s'excite là, droit devant. Bonjour madame. Alors par contre, on va quitter ce mode. Ah oui, c'est B, d'accord. Talk to Elisa Fress. Ok. D'accord. Je vais commencer à penser... Ouais, je comprends rien, mais c'est pas grave. Bien sûr, je suis premier dans la ligne. Moi. D'accord, je pense que Raski, qui est ça? Ça doit être un. D'accord, il me dit, ça c'est les missions qui sont en vert, d'accord. Talk to Cadet Raski.
Ok, fort bien. On va y aller, alors. Ah, ben celui. D'accord, tout est indiqué par une flèche. Ok, parler à KD. Non, c'est pas lui. Scott Knox. S'il veut bien le faire. Ah, c'est Siraski. Oh mon Dieu. C'est un extraterrestre parce que j'avais pensé. D'accord, il me dit que je vous ai toujours admiré. Ah bon? Ok. Je n'ai pas reçu mon assignement. D'accord, c'est pour mes vaisseaux. D'accord, faut que je trouve le cadet Kevrel. À tous les coups, vu le nom, ça doit être un Vulcain. Allez, à tous les coups. Alors, droit devant. Là, je vois la flèche. D'accord, donc là je suis à Starfleet Academy et je dois aller parler à des personnes. D'accord. Ok, c'est une vulgaire ou pas? J'avais raison, les arrêts vulgaires. Salutations. Ah, vu comme elle parle, c'est sûr c'est une vulgaire. Hein. Je ne comprends rien. D'accord. Va continuer. D'accord, il faut que je parle au cadet Morek maintenant. Désolé, il y a eu un petit bug de micro. Bon, bref. Me revoilà. Donc, voilà. Live long and prosper. Et donc, je dois parler donc, au cadet Morek. Je ne sais pas, ça doit être une extraterrestre. Et au minimap. D'accord. Montre les objectifs. Ok, pas de problème. Ah, ouais, d'accord. Tintin, ok. Oh mon Dieu, j'aurais jamais dû choisir Tintin. Alors, qui est Morek? Qui est Morek? Ils sont musclés, eux. Désolé, j'ai encore eu un petit bug de micro. Alors, donc, on va parler au cadet Morek. C'est un extraterrestre. Vous êtes ici. Je suis excité, non, je suis pas excité, non, je sais même pas ce que je dois faire en fait. Le bon. Je sais pas trop. C'est le capitaine Taggart. Ok, donc. Je suis lieutenant Ferra. Qui est Ferra, déjà? J'en rappelle plus. Ah oui, d'accord, là on a les objectifs. Trouver le lieutenant Ferra. Déjà, c'est pas un cadet, donc c'est peut-être un officier. Ah bah, c'est un lieutenant, mais je veux dire, voilà quoi. Officier. Vous marchez bizarrement, monsieur. Ah oui, d'accord, Ah oui, d'accord, c'est un bug en fait. Ils sont pas barraqués, c'est juste que c'est un bug de. Enfin, ouais, bref. On va s'attarder sur ça. On va aller parler à monsieur. Monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur, madame. C'est un. Monsieur. Extraterrestre. Ah oui, d'accord. Alors, bon après-midi, cadet. Ouais, d'accord. Je vais chercher mon assignement. Alors, il me demande mon nom, mais je dis Tintin. Je sais ce que je veux dire. Problème T. D'accord, report au capitaine Taggart. D'accord, je dois faire le rapport, me reporter au capitaine Taggart. Allez le voir, quoi. Il est où, le capitaine Taggart, que je vois? Attends. Ah, il est droit devant, apparemment. Ah, et, ah si tu portes, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ah ouais, les trucs qui brillent, là, c'est ces trucs. Ah oui, c'est pour sonner. D'accord, je dois. Il me dit de venir. Ah, oula, il n'a pas l'air rien celui-là. Bonjour, comment allez-vous? Par le capitaine Vega. Non, c'est pas derrière, ça c'est sûr. Regardez. D'accord. Merci, capitaine. D'accord, je peux choisir.
D'accord. Qu'est-ce qu'il veut faire là? D'accord, il veut me mettre sur sa passerelle. Ouh, ça me plaît ça. Votre officier tactique, monsieur, qui est-ce? D'accord, il est sûr que c'est Cadet Flores qui le sera. D'accord, ok. Passer. D'accord, je dois faire l'entraînement de phaseur. D'accord, je dois aller voir Flores. Bien, bien, bien. Allez. Alors, attends, je vais juste remettre comme il faut. C'est pas cet uniforme que j'avais dit que je voulais. Ah oui, c'est l'uniforme des cadets probablement. Oh punaise, elle se déplace en plus. Ah, elle est là. Elle est là. Elle est là. Bonjour. Parlez. Allez, parle. Parle, je t'ai dit. Et oh, calmez-vous, calmez-vous, mademoiselle. D'accord, j'ai l'impression qu'elle veut m'entraîner dans le holotech. Hé, attends, où vas-tu? Elle me le dit. D'accord. Où allez-vous? Où allez-vous, mademoiselle? Je suis bloqué. Ah! Ils sont affreux, les mecs de loin. Je vous vois, mademoiselle. Je vous suis. D'accord, donc là, je commence l'académie. Après, qu'est-ce que ce sera le prochain but? Dia, 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 sa folle, elle. Ah, attendez! 2409. Est-ce que ça serait pas par hasard la date, puisqu'on est au 25e siècle? Alors, où allez-vous? D'accord, on rentre. Parler. Ah, je vais lui parler, allez. D'accord, c'est mon chance, holodeck chanceux. Ouais, logique. C'est logique. Rien à ce qu'elle dit. D'accord. Ok. Allons-y. Allons-y. D'accord. On entre dans le truc. C'est quoi ça? Ah, c'est là où il y a les navettes. Elle est où? Attends. Elle est où? Qui s'est fait là? Elle est buggy? Ou comment ça se passe? Ya, mais fait quoi elle? Elle est folle. Non mais tranquille, elle monte sur le table et tout. C'est moi où les couloirs sont un petit peu énormes. Alors où il... Ah attendez, attendez. Là je dois prendre quelque chose. Ah d'accord, je dois avoir un phaser. D'accord. Ok, donc j'ai mon phaser. Super. C'est parti. Allez. Donc on va aller s'entraîner dans le holodeck 2. C'est celui-là. D'accord, ok.
Ok, comment c'est le programme? J'y suis. Ok. Et alors? C'est comme je dois avancer apparemment. Oui. Oula, oula, bonjour toi. Ok, il a été intégré. Mort. Allez, la défaite était honorable dog. Genre, il me traite de chien. Il y a quelque chose. Ah, d'accord, je dois quitter la simulation. Oh, bien. D'accord, ça charge. Je vais parler au monsieur qui est là-bas, apparemment. Ah, c'est le capitaine, d'accord. D'accord. Je suis pas en train de. D'accord. Alors, je suis pas en train de battre les records académiques, ça c'est sûr. Sûr et certain. J'ai jamais été arrivé à faire avec ma vie. D'accord. Ah ouais, d'accord, je suis premier officier. Ok. Je suis numéro 1, quoi. Thank you, sir. Du coup, parlez à les... D'accord. D'accord, elle est contente. Ah d'accord, elle est contente pour moi, mais elle est jalouse. Alors ça, c'est pas un peu prétentieux. Que puis-je dire? Le capitaine voit la grandeur en moi. Ça, c'est trop prétentieux, hein. Je pense que vous devriez commencer par me couper, monsieur. Non, je pense que je vais me dire ça. D'accord. Je dois aller. Dirigez-vous vers le turbofleet. Oui, le turbofleet. Et elle me suit pas. Non, c'est pas là. Ce n'est pas là, vraisemblablement. Alors, d'accord, je dois la suivre. Ok, je vous suis, mademoiselle. Mon Dieu, comment elle marche quand on la voit de loin. Oh, c'est affreux. Oh, c'est affreux. Ok, ça a l'air d'être droit devant. Bon. Donc, c'est-à-dire qu'on va peut-être embarquer à bord du vaisseau? C'est génial. Mec, toast. D'accord. Je vais devoir faire un toast avec le reste des officiers. Ok. Et on peut être embarqué à bord du vaisseau. Load the toast. Ok. Inspire les cas. Puis-je avoir votre attention? Ok, ça c'est mes coéquipiers. Inspire les cadets, intimide les cadets, être humble. Voilà, je pense que c'est bien ça. Ardire les cadets, intimide les cadets, continue à être humble. Moi je continue à être humble. Chaud. Mon dieu, oh ma tronche. Pour la classe de 2409. Votre verre à la classe de 2409. D'accord, pour 2409, pour 2409, j'ai jamais, j'ai pas d'alcool, suivez-moi jusqu'à la navette. Ok, chat, oui. Non, je veux pas chatter. Je suis officier de communication, d'accord. Mademoiselle Devrel est une amie à moi et l'officier de communication. Parlez officier de passerelle. D'accord, ah oui, je vais dans le vaisseau. Je l'écoute. Voyons voir de quoi elle a l'air. De quelle classe est le vaisseau? Alors voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ah, cinématique. Alors voyons voir de quoi il a l'air. Ok, on va dans la base spatiale numéro 1. Je ne peux pas le croire. Enfin, nous y voilà. Oh, regarde ça. Regarde ça. Je suis pas assis en fait. Je suis à côté. Zesta. Premier de sa classe. Donc c'est la classe Zesta. C'est un ciblage de sous-système, un équipage de 750, des canons laser et auxiliaires. Et un canton. D'accord, c'est notre vaisseau. Oula, je crois que c'est. Ah, c'est la classe Miranda.
que des armes de monstres ont du dragon et deux armes elle était derrière. Ok. D'accord, c'est mon vaisseau ça. C'est l'USS Fleetwood. Ah, c'est écrit! C'est écrit, mon bras, un petit peu mal. Ah ouais, d'accord. Waouh. D'accord. Je suis dans le hangar. Bon. Eh bien. Ah oui, j'entends, d'accord, c'est l'espace. Eh bien, je crois qu'on va se. Je suis tordu. Bon, et bien j'espère qu'on va s'arrêter là, je pense. Ça fait un petit peu long, hein, ça va faire une demi-heure quand même de vidéo. Hein. Et désolé si j'ai un petit peu changé au niveau des vidéos, c'est... Voilà, c'est... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo telle que celle-ci, donc pardonnez-moi, la prochaine sera meilleure. Et oui, parce qu'il y aura d'autres épisodes. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu. Fait toujours plaisir à commenter également, voilà. Et donc je vous dis à la prochaine pour l'instant de vous et salut tout le monde.